Et yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super car aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture. Et aujourd'hui, je vais vous ouvrir la dernière Pokébox qui est sortie à ce jour, qui fait partie d'une collection de deux Pokébox. Voici la Pokébox Tyranocif V de la collection Attaquant V qui est sortie avec le Pingoléon juste ici. Voilà, je l'ai sortie, je ne vais pas l'ouvrir, mais la voici. Donc voici les deux box, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve absolument splendide, genre vraiment incroyable. Ils n'avaient pas sorti d'aussi belles Pokébox depuis très 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 longtemps, je trouve, Pokémon Company. Donc là, franchement, ils ont fait du grave lourd. On a donc une carte promo Tyranocif V point final à l'intérieur. Voici les côtés de la box. Alors, vous l'aurez sûrement remarqué, mais le scellage, eh ben, c'est plus le même. Alors, attendez, je vous montre le derrière déjà. Voilà, vous mettez pause si vous voulez lire. 4 boosters du JCC Pokémon comme d'habitude, évidemment. Alors oui, le scellage, c'est plus le même si vous l'avez remarqué. Regardez, là c'est du scellage, là c'est du métal. Voilà, c'est un scellage qui couvre cette partie-là de la Pokébox, c'est tout. En haut et en bas, c'est pas couvert. Et du coup, pour y ouvrir, bah, petite ouverture facile sur le côté, clac, c'est du plastique rigide comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, là, un petit peu décelé ici, mais bon, c'est pas grave, on va la terminer de toute façon. C'est du plastique rigide alors qu'avant c'était du plastique souple depuis le Blogex en fait, putain, ils ont changé ce truc. Et bah perso je déteste, voilà. Je trouve que ce scellage il est pas cool, il est pas bien. Je préférais grave le scellage d'avant, les mecs, je comprends pas. C'est peut-être pour mettre moins de plastique, je ne sais pas du tout. Mais bon, c'est pas grave, on va l'ouvrir de toute façon, hein, juste parce que la box est magnifique, quoi. Avoir cette boîte en vide, bah voilà, je pourrais toujours l'avoir dans la collecte. Et puis on va voir les boosters qui se trouvent à l'intérieur, les mecs, c'est parti, bah, je vais l'ouvrir du côté où elle est déjà commencée, hein. Hop, allez hop, oh là là, mon dieu, c'est craqué. Alors, oups, voilà, nous avons donc des alvéoles, un carton avec des alvéoles. Contient la promotionnelle à l'intérieur. Tiens, je vais pas vous spoiler les boosters, donc je vais foutre le tout là-bas au fond. Alors, ah bah tiens, je vois déjà le premier booster. On a donc le Tyranocif V. Et comment je vais enlever cette carte sans l'abîmer? C'est la question à millions, au million d'euros. Alors, voilà. Le plan, c'était ça. Et ça a fonctionné. Hop. C'était le plan. Ok, oh, on a donc un magnifique Tyranocif V illustré par Planeta Tsuji. Voilà. Ah, il est quand même joli. Cette promo, elle est très jolie. Et l'arrière, ça donne quoi? Ça m'a l'air Kleenex, hein. Je vais voir en off, vite fait. Mais ouais, ça m'a l'air sans point blanc. Elle m'a l'air ultra, ultra clean à faire grader. Bah, tiens, je vais allumer la lumière. Voilà, je vois un peu mieux comme ça. Du coup, ça fait quasiment pas de différence étant donné qu'il y a le flash du téléphone qui vous met déjà bien. Bon, je vais la poser vite fait. Hop, ça va pas lui faire de mal. Juste le temps de la sliver, d'ouvrir le paquet de sleeve, machin. Franchement, belle promo. Peut-être que je vous ouvrirai la deuxième Pokébox. On verra. Pour l'instant, que elle. Parce que je sais pas. J'ai pas de préféré, clairement. Vous dites-moi laquelle vous préférez entre Pingoléon et Tyranocif. Mais moi, je trouve franchement que les deux se valent. Elles se valent de ouf. Et du coup, les boosters, les mecs. Hop, voici la Pokébox de retour. Je sors ça comme ça. Voilà, maintenant, même le fond, il est en carton. Il est en carton. Pokébox en carton. On a donc deux boosters style de combat. Ouais, ça que deux. Un Ténèbre Embrasé, illustration Dracaufeu. Et un Soleil et Lune Ultra Prisme. Donc voilà. Ce sont 4 extensions avec de jolies cartes. Vraiment, ils nous ont pas mis de la merde. Donc, franchement, ça peut être cool dans tous les cas. Et on va se les ouvrir du plus récent au plus ancien. Enfin, même dans l'ordre, j'ai envie de te dire. Donc, du coup, bah voilà. Je laisse les autres boosters ici. Et on commence tout de suite par le booster style de combat Tyranocif. Je vous zoome un petit peu comme d'habitude. Voilà, on prend un max de plaisir ici. Par contre, les boosters, ils sont blindés d'air, genre. Là, tu vois, c'est de l'air, tout ça. C'est ouais, pas ouf. C'est pas ouf pour une collection de CD, t'as capté? Waouh, ça va, le booster il s'ouvre plutôt très bien au moins. J'aimerais bien des boosters Reine de Glace qui s'ouvrent comme ça. Le fameux 1, 2, 3, 4, 1, 2 pour mettre la rare et la reverse à la fin, t'as capté? Et c'est parti, on commence tout de suite. Première carte de cette ouverture, ce sera un Pachirisu, et oui. Suivi d'un Suribou, et oui. Suivi de Kung Fuin 1000 points qui s'entraîne.
Duna Jao, que j'avais jamais eu, je la trouve pas mal. Monsieur Mime de Galar, une énergie. Oh, tiens, je vais mettre ça ici. Voilà, Spectra en première peu commune. Vortante 1000 points, que j'aime bien. Franchement, un rapace des piques. En reverse, on aura. Oh, une rare reverse, la 20-663. On raconte qu'à chaque fois qu'il rugit, un volcan entre en éruption quelque part. Je sais pas. Je ne sais pas. Oh, c'est Entei. Bah, j'y pensais en plus, mais je me suis dit non, peut-être pas le dire. Bah, Entei, c'est une holo reverse, je crois, hein, du coup. Waouh. Très, 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 très belle carte. Ah, la rayure d'usine, un peu moins beau. Mais pour un premier booster, ça commence pas mal. Et en rare, attention, nous aurons. Ceux qui le craignaient jadis lui ont donné le surnom de messager de la faucheuse à cause de son hurlement sinistre particulier. Je ne sais pas ce que c'est. C'est Démolos en holographique. Wow, les magnifiques. Oh putain. Oh, j'adore. Regardez, quand je vous dis que c'est des séries à fort potentiel, regardez ce Démolos. Petit coucou à Maskash si tu passes par ici parce que je sais que c'est un des Pokémon que tu préfères, ce Démolos. Et cette carte est magnifique en holo. Bah, du coup, holo reverse plus holo, c'est vraiment une pioche pas dégueulasse pour commencer. Allez, on va sliver tout ça. Et ouais, ça fait plaisir. Même la reverse, je sleeve. Faudra que je fasse gaffe, parce que j'ai plus énormément de sleeve. Bientôt, falloir que j'en rachète. Deuxième booster style de combat avec le Chiffourse 1000 points. C'est ça. Bien reconnaître 1000 points et point final. Lui, c'est le 1000 points. Et oui, alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, encore une fois, tac, on retourne, let's go. On a donc Monsieur Mime de Galar, qu'on avait déjà eu dans le booster précédent, ça me stresse, j'ai encore envie de zoomer un peu, voilà. L'Épidonille, Voltoutou, Exelangue qui court sur la plage que j'avais jamais vue, Nosferapti en laine, et une énergie de type Psy. Ah, Aldo du Conseil 4, la base. Wagomine, mais je dirais Wagomine parce qu'on dit une mine, enfin je sais pas. Grotichon en reverse. Ah, j'ai cru que c'était le même. Dans type combat commune, c'est Férosinge, point final. Ok, pas mal, quand même pas mal. Et en rare, holo ultra rare, attention, on aura une rare. Sa capacité à voir à travers tout est très utile pour détecter les moindres dangers. C'est, je sais pas qui c'est. Oh, c'est Luxray en holographique. Ah, mais je l'ai déjà eu en plus cette carte, oui. Je l'ai déjà eu en off cette holo. Donc c'est une petite double, mais néanmoins une holo magnifique, vraiment. Oh là là. Que de belles cartes, que de belles cartes. Même si. Je sais qu'il y a des holos dans ce style de combat que j'avais grave envie de choper. Mais je crois que le Démolos en faisait partie, parce que franchement, le Démolos. Ah, il pète quand même. Ensuite, on passe au booster Ténèbres Embrasées, avec la meilleure illustration. Est-ce que ça va nous porter chance? Sachant que j'ai déjà le Dracaufeu VMAX. Hein. Moi, vraiment, la carte qui me manque dans cette extension et que j'ai envie de choper moi-même, c'est le Montracide Gold. Le Montracide, c'est vraiment la seule carte qui me reste que j'ai pas encore chopé de booster moi-même. Et éventuellement, j'aimerais bien aussi choper, même si je l'ai déjà, mais histoire de le choper moi-même, j'aimerais bien le Nostanfer FA. Parce que je le trouve super, super stylé. Voilà. Le même que celui qui existe en Shiny, mais en FA simple. 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop, let's go. Alors, à savoir que dans cette extension-là, ça sert à rien de regarder la qualité de carte derrière, parce que de toute façon, même pour les ultra rares, la qualité de carte est un peu merdique en fait. Hein. C'est qu'à partir de la Voix du Maître, donc la série qui est sortie juste après, qu'ils ont commencé à faire de bonnes qualités de cartes pour les ultra rares. Bref, petite parenthèse fermée, Topicœur, du coup, Flotajou, Mimigal. Croquine, j'ai l'impression que ça brille derrière, mais c'est peut-être la reverse, hein. Des fois je me fais piéger. Un Solourdeau, une énergie de type eau, Feuilloutant, Volute de fumée, je connais toutes par cœur ces cartes, Fortifiant Turbo, en reverse on aura une rare reverse, la 61 sur 189, il est le gardien de mêlée-mêlée et le maître de la foudre, c'est Tokoriko. Évidemment, Tokoriko en holo reverse d'ailleurs, parce que j'ai déjà eu cette carte en holographique, donc. Très bonne pioche. Franchement, les reverse pour l'instant, ça va de ouf. Et on aura, attention, on aura. Ah, toujours pas d'ultra, toujours pas. Mais ensuite, j'ai quand même eu deux holos. Il peut envoyer de terribles décharges électriques de la pointe de ses pics. Il accumule de grandes quantités d'énergie dans son noyau rouge. Qu'est-ce que c'est que ça? Mécanisme rayon, c'est clic-ti-clic, j'imagine. C'est clic-ti-clic en rare. Ok. Clic-ti-clic. Je ne l'avais jamais eu cette carte.
Je ne l'avais jamais eu, pourtant j'ai ouvert des quantités de ténèbres embrasées, pas dégueulasses. Et le dernier booster, attention, le Ultra Prisme, c'est peut-être maintenant qu'on va avoir une ultra rare, qui sait. Bon, dans Ultra Prisme, la carte que je veux choper par-dessus tout, c'est le Lunala Gold, évidemment. Parce que je la surkiffe, cette carte. Je suis pas très Sol Galeo, moi, mais le Lunala Gold, je suis en love. Voilà. On l'ouvre un peu à l'arrache, on s'en fout. J'en ai tellement ouvert de ces boosters. J'ai ouvert une display d'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder, puisque c'est une vidéo pas dégueu, hein. La qualité avant tout. Alors 1, 2, 3, 4, 1, 2, voilà, on met la rare et la reverse à la fin. C'est parti pour le dernier booster. Nous aurons donc Araqua, suivi de Moufouette. Là vous voyez le style de carte, hein, c'est du SL, ça revient. On revient à un bloc en arrière, Tortipousse, sous une forme assez basique. Oh, Electek, pas mal. Laporeil. Une énergie de type métal, Magneton pour commencer les Unko, Lily, Manaphy, en reverse ou prisme d'ailleurs, on aura, bon ça sera une reverse du coup, la 73 sur 156, une commune reverse, c'est Farfuret, voilà. Farfuret en reverse, et où j'ai l'impression que ça brille derrière, hein. C'est peut-être qu'une impression, mais ça brille, hein. Attention, est-ce qu'on aura une ultra rare les mecs, ça serait super, attention, en rare, nous aurons... Oh oui, on a une ultra rare. C'est une GX simple, mais c'est toujours ça. Alors, nous aurons Sylvalier GX. Eh bah, je l'ai déjà, je l'avais chopé dans ma display. Sylvalier GX, une double, mais c'est quand même une GX, donc on prend. C'est une ultra, les mecs, vous savez, les ultras, on ne crache pas dessus, hein, quelle qu'elle soit. Ça reste mieux que d'avoir une rare simple. J'avais même pas vu que les bords de la carte étaient nickel, mais oui, du coup, ils doivent être bien clean. Bah ouais, c'est des bords de cartes super jolis. Et bah du coup voilà, on a eu une pioche vraiment pas mal. Vraiment pas mal, hein. 3 boosters avec une bonne carte sur 4. C'est plutôt pas mal, je vous mets tout de suite les cartes pour le petit récap. Du coup, on aura eu en reverse Farfuret, n'est-ce pas, Tocorico, Ferrosinge et Entei, magnifique, hein, vraiment la grande star reverse de cette box, j'adore. On aura eu aussi un Luxray en holo et un Démolos en holo dans les deux boosters style de combat. Et enfin les mecs, au dernier booster, le Sylvalier GX qui tombe, ça fait plaisir. Bon, et bah voilà, c'était une pioche pas dégueu du tout les mecs. J'espère que vous avez kiffé, moi j'ai kiffé comme d'habitude. Hein. Si vous voulez pas louper toutes les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Instagram et mon TikTok. Parce que oui, j'ai ces deux réseaux, ça fait plaisir. Il y a du contenu exclusif, toi-même tu sais. Et surtout... Portez-vous bien les mecs, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'est Decider, à plus.